la plus grande réunion de royaux scandinaves depuis très longtemps. Cela fait exactement 50 ans que le roi Carl XVI Gustaf est monté sur le trône de Suède, le 15 septembre 1973. Pour célébrer ce jubilé d'or, la famille royale suédoise a convié tous ses cousins scandinaves et les autorités du pays à deux journées de fête à Stockholm, un gala au château de Drottningholm, la résidence officielle du couple royal, le 14 septembre. Ce 15 septembre, une messe et un dîner officiel sont au programme. Seule absente, et pas des moindres, la princesse Mette Marie de Norvège. Aux côtés du roi Harald V et de Sonia de Norvège, manquait cruellement la présence de leur belle-fille, la princesse Mette Marie, femme du prince héritier Haakon. Celle-ci, atteinte d'une fibrose pulmonaire, a vu son état de santé se détériorer à la veille de son départ pour la Suède, la forçant à rester au repos pour deux semaines minimum. Cette période peut être prolongée, a même communiqué la maison royale de Norvège. Cette pathologie chronique la pousse régulièrement à devoir modifier son planning. Victoria de Suède, Marie de Danemark, Marguerite II. La famille royale de Suède et leurs invités sur leur 31 pour le jubilé d'or de Carl XVI Gustaf Mette Marie de Norvège, consciente que la maladie limitera sa vie, la femme du prince Haakon est destinée à monter sur le trône lorsque son mari prendra la place du roi Harald V. Mais elle sait que son espérance de vie est raccourcie à cause de sa fibrose pulmonaire détectée en 2018, même si un tel diagnostic limitera ma vie, je suis heureuse que la maladie ait été découverte si tôt. Mon objectif est toujours de travailler et de participer au programme officiel autant que possible, avait-elle déclaré à l'époque du diagnostic. Mette Marie de Norvège, âgée de 50 ans, souffre régulièrement des conséquences de cette maladie évolutive qui provoque de grosses difficultés respiratoires. Crédit photo, Dana Presse.